Se pencher sur le bref roman d'Anna Seghers, La fin, qui reparaît en français aux éditions Autrement, c'est pénétrer de plein pied dans la complexité de l'histoire de ce siècle. Anna Seghers voit le jour en 1900 à Mayence, dans une famille bourgeoise. Elle étudie l'histoire et la philologie à la grande université de Heidelberg, adhère au Parti communiste en 1928. Elle doit quitter l'Allemagne nazie, d'abord pour la France, puis pour le Mexique. Elle reviendra après-guerre en République démocratique allemande, devenant l'une des grandes plumes du régime communiste en place et recevant même en 1951 le prix Lénine. La fin est parue pour la première fois en France en 1956 chez un éditeur communiste. C'est une histoire de retrouvailles. Dans un village, Wolpert, ancien déporté, reconnaît en Zilich celui qui fut son bourreau. L'autre s'en aperçoit et décide de s'enfuir. Il perd peu à peu ses repères et ses soutiens. Il est à son tour traqué à mort. Or, cette fable, si facile à résumer, provoque de véritables interrogations. Que faire des anciens serviteurs du régime nazi? Les poursuivre? Les juger? Les tuer? Qui décide? Les vainqueurs de la guerre, en l'espèce les staliniens, tenant d'une idéologie au total aussi criminelle que celle des nazis. Quand est paru le livre, les choses étaient plus simples. L'URSS régnait, nul ne contestait réellement ses menées, au nom notamment de l'énorme tribut payé à la lutte contre Hitler. N'empêche, cet ouvrage pose de vraies questions.